نواصل مع الرياضة. من بلجيكا نتعرف على رياضيين شابين، الملاكم المحترف سفيان الخاطي الذي ورث حب الملاكمة عن والده. سفيان الذي دخل عالم الرياضة في سن صغير جدا يحلم بتحقيق بطولات وألقاب على المستوى الأوروبي والعالمي. Je me présente, moi c'est Sofiane Kati, j'ai 26 ans, je viens de Nevers, un petit quartier qui s'appelle Le Banlay. Donc voilà. Je connais pas trop la région, mais à Tours là en ce moment, et je suis là pour une grosse soirée qui s'appelle Les Princes des Rings. Une bonne soirée qui, je pense, va être explosif et pas mal. Moi j'ai commencé en éducatif, j'étais tout petit, et j'ai commencé à 9 ans. Donc au début c'était pas du sérieux, on voulait essayer, jouer, j'ai vu que ça a marché et que ça m'a bien plu. Du coup on a progressé dans le milieu et voilà, jusqu'à ce que je suis arrivé jusque là. Mon dernier combat c'est un mec que j'ai déjà battu, qui m'a surpris parce qu'il est revenu pas deux fois mais quatre fois plus fort qu'il était la première fois. Déterminé, il voulait m'éteindre, il voulait ma peau, et voilà, ça m'a marqué ce combat-là. Ça va, j'ai bien géré, il m'a surpris les premiers rounds. Ensuite, je me suis adapté à lui et heureusement, je l'ai battu au final. Mes premiers combats où j'avais super peur, littéralement, j'étais apeuré. Je savais pas comment, à chaque combat, je voulais arrêter. Je me suis dit, ça y est, je fais ce combat-là, j'arrête. Et voilà, c'est l'expérience et le métier m'a appris qu'en fait, c'était n'importe quoi. Et du coup, maintenant, j'y vais avec le sourire. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien de tout ça. Mon père, il était boxeur de haut niveau. Et c'est tout simplement ça qui a fait que j'ai voulu commencer la boxe. Et mon père n'a jamais voulu que j'aille à la boxe. Ni mon père, ni ma mère. J'y allais en cachette au début. Jusqu'à ce qu'il a vu que ça m'a plu et que je me démerdais pas trop mal. Et du coup, il a dit, allez, tu vas y aller. Mais mon père, il s'appelle Mustapha Kati. Bon, c'est un mec qui a boxé à haut niveau quand même, au niveau amateur, en France, en Europe. Bon, il a boxé des grosses têtes, des noms. Je fais que de boxer, du matin au soir. Je m'entraîne le matin, je m'entraîne le soir, je fais que de boxer. De temps en temps, voilà, j'ai mon grand frère qui tient une entreprise de maçonnerie. Bon, bah, quand il a besoin de moi, j'y vais un peu de force, mais sinon, je fais que de la boxe. Ouais, j'ai eu pas mal d'obstacles puisque j'ai dû partir à Paris loin. Bah, c'est pas chez moi, je viens de Nevers et j'ai dû partir à Paris pour vraiment, j'ai voulu voir quelque chose, autre chose, quoi, du haut niveau. Et c'était très dur. Je suis resté là-bas 3 ans. J'ai dû me battre pour avoir un appartement, j'ai dû me battre pour avoir un travail. C'était galère. C'était vraiment dur et j'ai pas lâché au bout des 3 ans. J'ai réussi ce que je voulais faire, je suis rentré chez moi après. Ça commence à être bien reconnu, mais il y a quelques années en arrière, c'était super dur. Maintenant, ça commence, c'est toujours aussi dur. Mais voilà, je pense que plus ça ira, mieux ce sera. Plus ça ira, plus on sera reconnu. Et ça commence d'ailleurs. Des champions français qui commencent à être connus dans le monde. Ça commence, ouais. Bah oui. On voit des grosses têtes comme Christian Billy, Souleymane Sissoko qui sont français. Ils se font reconnaître, ils sont reconnus dans le monde entier. Je pense que ça va faire que d'aller de l'avant. Absolument tout. Absolument tout. Ça m'a tout apporté. Ouais, c'est mentalement, psychologiquement, j'étais. Ça m'a apporté beaucoup en maturité. Tout, maintenant je suis reconnu dans ma ville grâce à la boxe. Si j'aurais pas fait de boxe, personne ne me connaîtrait. Voilà quoi. Si dans la vie en général on te voit comme un mauvais mec tout simplement, ils te suivent plus après. On te suit plus, on s'intéresse plus à toi. T'as beau être un beau boxeur, on n'en aura rien à faire. Voilà, il faut être bien aussi dans la vie extérieure, sinon. Les deux vont ensemble, bien sûr. Futur projet, j'en ai pas mal, j'ai une sacrée liste. Mais là, dans l'immédiat, c'est les championnats de France. Je veux être champion de France. Je ne lâcherai pas tant que je ne serai pas champion de France. C'est mon objectif premier, pour pouvoir passer à autre chose. Mais tant que je ne serai pas sur le toit de la France, j'arrêterai pas. Il n'y a pas de secret, il faut être déterminé, il faut être assidu. Et il faut croire à ce qu'on veut faire, à se croire à son rêve et pas lâcher, tout simplement. Le coach, il a une importance derrière? Ouais, bien sûr. Sans coach, moi, jamais je serais arrivé là. Mais si je suis devant un sac, il n'y a pas de coach à côté de moi, je vais tricher. Même si je sais que c'est pour moi, voilà, je vais tricher un peu. Mon coach, il est à côté de moi.
je suis à, pas à 100, mais à 150%. Tout simplement, c'est l'importance qu'ils ont dans notre carrière. Alors, Tarek Kaidouri, de Nevers, entraîneur du club de l'Académie Boxe Citoyenne de Nevers. J'ai 38 ans, j'entraîne depuis 2014. J'ai été boxeur professionnel, j'ai fait 25 combats professionnels entre 2006 et 2012. Puis là, je me suis donné en tant qu'éducateur de boxe, entraîneur. Sofiane, c'est une longue histoire. Sofiane, on se connaît depuis... Je le connais depuis tout petit en fait, parce que moi j'ai été entraîné quand je boxais par mon papa et son papa. Donc les deux nous m'ont entraîné pendant toute ma carrière pratiquement. Et dès que j'ai arrêté de boxer, j'ai pris 2 ans sabbatique et j'ai créé mon propre club. Sofiane, lui, était encore dans l'autre club de Nevers, l'ancien club phare du club de Nevers, de la ville de Nevers. Moi j'ai créé mon club en 2014. Et de fil en aiguille, ça a bien pris. L'ancien club a stoppé son activité. Et nous, on a récupéré Sofiane ainsi que d'autres boxeurs de l'ancien club chez nous à l'Académie de boxe citoyenne. Ah, moi, je fais les bandages, j'entraîne avec mon collègue Rudy Robello. On est deux à s'occuper de lui. On l'entraîne physiquement, techniquement, tactiquement. C'est nous qui s'occupons de lui depuis 2015. Par rapport au bandage, il faut avoir une certaine connaissance, je suppose. Je ne suis pas les spécialistes du bandage, c'est les cutman. Nous, pour l'instant, on n'est encore pas au niveau de pouvoir se payer un cutman sur un combat. Donc pour l'instant, on remplit la tâche de cutman, entre guillemets. Donc on fait un peu de tout. On est entraîneur, cutman, psychologue. Voilà, on fait tout au jour d'aujourd'hui. Peut-être que plus tard, avec le temps, et si le niveau augmente, les bourses seront peut-être un peu plus importantes, on pourra prétendre à se payer un cutman pour les combats. Les mains, c'est l'outil de travail hein, du boxeur professionnel, même si ce n'est pas, un vrai travail. Pour le moment, ce n'est pas un vrai travail. Mais il faut qu'on prenne soin des mains, il faut qu'on fasse attention aux poignets, aux métacarpes et tout ça. Mais ça, après, il y a vraiment des spécialistes du rôle, du job. Nous, on est pour l'instant rempli le rôle, mais si un jour on est amené à monter plus haut, ça ne sera plus à nous de remplir ce rôle-là. Et je viens de Kénitra, une ville au bord de la... au bord de la mer, de l'océan Atlantique. Alors la personnalité, bah, sans hésiter, ça va être le roi du Maroc, qui représente beaucoup pour nous, bien sûr. Et puis voilà, je l'aime beaucoup, tout simplement. La raison pour laquelle, je ne pourrais pas savoir, mais pour moi, c'est le numéro un. Pour moi, c'est pareil dans ma région, comme dans à peu près tout le Maroc. Pour moi, c'est pareil. Tout le monde est solidaire, tout le monde s'entraide, personne ne laisse l'autre quand il a besoin. Que ce soit dans ma région ou dans une autre région, pour moi, dans tout le Maroc, c'est pareil. Pour le gala de ce soir, on y est bien préparé. Je suis préparé, je suis déterminé, on lâchera rien. Et je crois en mes rêves et j'y croirai jusqu'à la fin. Et c'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Voilà. Pour la famille, merci à toute ma famille qui me suit de partout, du Maroc jusqu'en France. Et un gros big up.